La XDJ-R1 est la dernière console sans fil pour DJ, avec un lecteur USB compatible Recordbox, un double lecteur de CD et est aussi un contrôleur MIDI, le tout réuni dans un seul appareil. Les XDJ-R1 et XDJ-RO offrent le moyen le plus accessible d'entrer dans le monde de Recordbox en USB. On retrouve sur la table de mixage des effets color utilisés habituellement dans les modèles les plus haut de gamme. Cela offre ainsi sur chaque voix des filtres indépendants et des effets noise, crush et pitch. Les deux pistes possèdent aussi 4 effets beat quantisés, empruntés de la JM900 Nexus, un autoloop, sync et 3 hot cues hérités du CDJ 2000 Nexus, ainsi qu'un nouveau sampler. Très élégante avec ses jogs en métal, la R1 possède des sorties master et retour en XLR, ainsi que des entrées micro, phono et ligne, permettant d'ajouter des CDJ ou des platines vinyles. C'est la première fois que toutes ces technologies sont disponibles dans un même appareil et dans cette gamme de prix. Et en plus, nous avons poussé notre technologie sans fil encore plus loin avec la nouvelle application RemoteBox pour iPad, iPhone et iPod Touch, conçue pour vous donner encore plus de contrôle sur le mix. Pour la toute première fois, vous pouvez totalement télécommander le R1 en utilisant une interface tactile sans fil de l'extérieur de la cabine. Et au lieu de devoir vous fier à des ordinateurs, la XDJ-R1 prend en charge la lecture, le mix et le traitement des effets directement sur l'appareil. Ainsi, en utilisant des smartphones et tablettes comme télécommande, vous pouvez profiter de grands écrans de navigation et de la recherche rapide sur clavier, sans aucun risque. La R1 est idéale pour les DJ qui recherchent un système tout en un, et elle fait monter d'un cran le DJing mobile, tout en ajoutant des combinaisons d'effets et un contrôle sur écran tactile. En plus de la source USB, la XDJ-R1 possède ses propres lecteurs de CD. Elle offre ainsi un maximum de possibilités pour une console de DJing mobile. Cela la rend idéale pour toutes sortes d'utilisations. L'appli RemoteBox vous permet également de lancer des samples, jingles et décomptes sur votre R1 tout en étant loin de la cabine, ou de lancer une nouvelle liste de lecture pendant que vous êtes sur scène ou sur le dance floor. Pour ce qui est de la créativité, la R1 vous permet même de combiner des effets color et beat sur un X-Pad, unique dans la gamme Pioneer. Vous disposez en tactile du découpage des boucles, qui ne figurait que sur les CDJ 2000, ainsi que la possibilité de contrôler toute la table de mixage avec l'appli. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Recordbox est notre logiciel de gestion musicale. Il fonctionne sur smartphone, tablette et ordinateur. Il construit automatiquement une base de données à partir de vos pochettes et morceaux et y ajoute des bitgrid, waveform et clés de tonalité. Créez des playlists et ajoutez des samples, hot cue et loop. Une fois que vous avez créé votre bibliothèque Recordbox, elle est compatible avec tous vos lecteurs USB. Recordbox est disponible sur Mac, iPhone et iPad. Il fonctionne aussi sous Windows et Android. Vous pouvez donc préparer votre musique de n'importe où. Une fois que vous avez préparé votre musique sur Recordbox, vous pouvez l'exporter vers un support USB et le brancher sur le R1. Le R1 comporte un support recouvert de caoutchouc vous permettant de poser en toute sécurité votre iPhone, votre iPod Touch au centre de la console. RemoteBox est disponible en application iPad. Vous pourrez ainsi profiter d'un grand écran pour contrôler vos pistes et naviguer dans vos vastes bibliothèques. Pour démarrer, branchez-vous très simplement sur le réseau Wi-Fi intégré de la R1. Sélectionnez-le dans vos réglages Wi-Fi et vous êtes prêt. Dès que vous lancez RemoteBox, la lumière WLAN s'éclaire pour vous montrer que vous êtes connecté sur l'appareil. Quand elle est ouverte, vous avez accès à chaque partie de la R1. Vous avez la table de mixage au milieu, les deux pistes et une section d'effets pour chaque piste. Mais commençons par charger un morceau via l'USB en utilisant la navigation. Tous vos efforts pour organiser votre remix sont récompensés grâce à vos listes de lecture. Votre musique est automatiquement classée en différentes catégories. Nous avons ajouté des catégories personnalisées comme artiste, album, morceau et BPM. Et comme si cela ne suffisait pas, vous pouvez également faire une recherche complète en ne tapant que quelques lettres en haut ici. Avec tous nos lecteurs, vous pouvez lire les fichiers MP3, AAC, WAV, AIFF, jusqu'à 24 bits directement depuis n'importe quel support USB. Choisissez un morceau et vous pouvez voir toutes ces données et l'ajouter à une taglist. Touchez simplement l'une des icônes de pistes de la R1 et le morceau est chargé instantanément. L'écran se retourne pour contrôler les pistes sans fil. En bas, nous avons le contrôle de lecture EQ alors que la musique commence. En haut, vous pouvez voir toutes les données des morceaux. Et grâce à la barre de progression disponible sur l'appli, vous pouvez scanner les morceaux avec votre doigt. En bas de l'écran, vous pouvez appeler, éditer et déclencher les hot cues ou passer en mode sample. Enregistrer et superposer des sons sur une même piste. À droite, vous trouverez les contrôles de pitch, master, tempo, sync et quantize. Bien d'autres fonctions sont disponibles dans l'appli comme l'autoloop control qui vous permettra de découper vos boucles et vous pourrez instantanément passer d'une boucle à l'autre. La section d'effets possède également une fonction exclusive à la R1, le X-Pad. Il vous permet de contrôler à la fois les effets beat et color. Sélectionnez rapidement un effet color à gauche et un effet beat en haut.
Passez votre doigt de gauche à droite pour changer le timing de cet effet écho et déplacez du milieu vers le haut ou vers le bas pour obtenir un filtre passe-haut ou passe-bas. Et le meilleur, c'est que ces effets s'enclenchent instantanément dès que vous les touchez et s'arrêtent dès que vous les lâchez. Mais vous pouvez aussi les laisser activer en pressant Hold. Intensifiez ou mélangez le son plus subtilement grâce au contrôle de volume et profondeur. Le menu de la table de mixage reflète comme un miroir la présentation de l'appareil R1. À gauche se trouvent les contrôles de sortie master, retour et casque. À droite, les contrôles des entrées auxiliaires et micro. Et au centre, le gain, l'égaliseur, les faders et crossfaders. Coupez complètement les fréquences basses, médium et aiguës en faisant glisser votre doigt vers le bas. Puis vous pouvez revenir au réglage par défaut en tapant deux fois sur l'égaliseur. Si vous voulez avoir accès à la table de mixage, au X-Pad et au découpeur de boucles d'un seul coup d'œil, retournez l'iPad et vous pouvez choisir à quel contrôle vous allez accéder instantanément. Il est ainsi possible d'utiliser un doigt pour découper les boucles et un autre pour contrôler deux effets à la fois, pour des transitions vraiment créatives. Pour finir, parlons de l'appareil en lui-même. Il n'y a que quelques petites choses que vous ne pourrez pas faire avec RemoteBox. Bien entendu, vous devrez charger les CD manuellement. Et le scratch n'a de sens qu'avec des gros jogs tactiles. L'autoloop s'ajuste avec un cadran. Vous pourrez donc monter progressivement dans les divisions rythmiques pour construire rapidement votre mix. Et enfin, vous devrez utiliser un vrai bouton sur la R1 pour changer la courbe du crossfader pour un mix précis et des mélanges de morceaux parfaits. Comme tous nos CDJ de référence, la R1 possède 3 hot cues. Rappelez-les après les avoir enregistrés avec Recordbox ou bien pressez sur A, B ou C pour en enregistrer de nouveau. En appuyant sur le bouton, le morceau commencera à ce point ou s'il est déjà en lecture, sautera directement à ce moment et continuera. Et vous pouvez désormais enregistrer l'audio dans le sampler en utilisant les mêmes boutons. Il utilise le Quantize et le Bitgrid de Recordbox pour faire des boucles parfaites de 4 temps synchronisés. Vous pouvez désormais lire le sample mélangé à la source d'origine et si vous maintenez le bouton appuyé, la boucle continuera de tourner. Tout en jouant des samples, vous pouvez utiliser le contrôle Auto Beat Loop et le découpeur de boucle de RemoteBox pour modifier le son. En plus de vous permettre de passer d'une source USB à des CD, la R1 est aussi compatible MIDI. Virtual DJ est inclus et est déjà configuré pour la R1. Dès l'ouverture de la boîte, la R1 vous permet donc de contrôler immédiatement toutes les fonctions de Virtual DJ sans coût supplémentaire. Appuyez sur le bouton MIDI pour contrôler Virtual DJ sans fil. Les possibilités pour vos événements ne reposent plus que sur votre créativité. Comme vous le voyez, la XDJ R1 est notre système tout en un sans fil le plus compétitif et le plus facilement transportable. Une sacoche dédiée sera bientôt disponible. Naviguez à travers votre musique, contrôlez ses fonctions et étendez ses possibilités avec RemoteBox. Profitez de RecordBox pour une organisation ultime de votre musique vous permettant de réaliser des performances quantisées et des sets parfaitement synchronisés.